Our next speaker is a master student from the Netherlands. His name is Daan Sprenkels. He told me that he's maybe the youngest speaker in this Congress. So if you know anyone, any speaker younger than 23, just let him know so that he loses the contest. And please pull out pen and paper because this talk is a course Daan holds on his university. So this will be graded eh bien, veuillez accueillir notre présentateur aujourd'hui, Daan Sprenkels. Sortez les papiers, les crayons, ça va être intense et il y aura un test à la fin. Mesdames et messieurs, Daan Sprenkels. Merci pour l'intro et merci de m'avoir invité ici à cette conférence, c'est un honneur. Je m'appelle Daan Sprenkels, je viens de l'université de Robel. J'étudiais un algorithme qui s'appelle le partage de secrets de Shamir. Cette présentation est un peu à propos de, du partage avec les secrets de Shamir, mais ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Je vais surtout parler de l'implémentation, parce que je voudrais faire passer un message ici. Donc, pour commencer, je suis Daan Sprenkels, j'étudie à l'université de Robel, où j'ai étudié la chimie et après avoir fini mon bachelor en chimie, je suis passé directement sur l'informatique parce que c'est nettement mieux. Et une journée normale pour moi, c'est surtout du temps que je passe à implémenter de la crypto à courbe elliptique. C'est quelque chose d'un petit peu spécialisé. Et du coup, j'aurais partagé mes connaissances sur le sujet, sur comment est-ce que la crypto marche en pratique. Alors, les autres personnes qui sont impliquées dans ces présentations, c'est Peter Schwabe, qui est mon superviseur, et Sean Mospoltz, qui est président d'une entreprise à Taïwan, qui travaille sur des trucs en rapport avec les blockchains et le Bitcoin. Alors, pour commencer, comme je ne sais pas vraiment quel est le niveau moyen dans la salle en maths, je dois vous demander, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ça? Okay. Don't roll your own crypto. N'inventez pas votre propre crypto. Second question. Who actually means why? Who actually knows why? Deuxième question. We say this all the time? Est-ce que vous savez pourquoi on dit ça tout le temps? Okay, so quelques mains se lèvent. I wanted to explain this. Well, actually, okay, c'est bien parce que je veux quand même l'expliquer. D'ailleurs, je vais expliquer la deuxième partie. Développer, inventer sa propre crypto, c'est une mauvaise idée parce que c'est très difficile. Et par contre, c'est très facile de se planter. On peut faire plein d'erreurs très facilement. Et la deuxième raison, c'est parce qu'implémenter sa propre crypto, comme on a pu voir hier dans la présentation de Philippe Stark, c'est quelque chose de très difficile. Dans l'exemple qu'il donnait, un bit de retenue dans le processeur, ça peut complètement compromettre votre sécurité. Et dans l'exemple qu'il a donné, ça permet d'extraire intégralement la clé privée à partir de ce simple bit de retenue. Donc dans cette présentation, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que implémenter sa crypto soi-même, c'est très difficile. Et pourquoi même les algorithmes les plus simples, comme celui du partage avec les secrets de Shamir, sont vulnérables à ce genre de problème d'implémentation. Donc, je vais commencer par parler un petit peu de la théorie, je vais montrer cet algorithme sur papier et ensuite je vais parler de l'implémentation. Pour résumer ça, voilà une présentation à peu près de la difficulté dans ce talk. La première partie, je vais essayer de la garder plutôt simple à comprendre et la deuxième partie sera un petit peu plus dure, mais je pense que tout le monde dans cette salle pourra comprendre. Alors, première partie. On a ce problème. Le problème, tout le monde ne considère pas que c'est un problème, mais voilà, quand on a une clé de chiffrement, et j'utilise souvent l'exemple d'une clé privée Bitcoin, puisqu'au final, cette clé, c'est un mot de passe, et vous ne voulez pas perdre cette clé. Donc vous avez une clé privée Bitcoin et vous voulez la garder quelque part en lieu sûr, puisqu'il y a peut-être des milliers d'euros qui sont gardés par cette clé. Et
ce que ça veut dire, un endroit sûr dans ce contexte, c'est premièrement, personne ne peut compromettre le secret de cette clé. Donc ce secret doit être un secret. Et la deuxième chose, c'est que vous ne voulez pas perdre ce secret, puisque perdre ce secret, ça veut dire, dans ce cas, perdre votre argent. Et la façon la plus simple de faire des sauvegardes de votre clé, c'est de donner une copie de cette clé à votre banque, par exemple. Vous l'écrivez sur un morceau de papier et vous le mettez dans un coffre. Ou par exemple à quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, un avocat, un notaire. Mais dans ce cas, vous avez un point un unique point dans lequel vous faites confiance. C'est-à-dire que ça peut très mal se passer si votre banque ou votre avocat est compromis. Donc plutôt que de donner les informations à une seule personne ou une seule entité qui peut avoir des problèmes, si vous mettez ça dans une maison, cette maison peut brûler. Si vous donnez ça à une personne, cette personne va vous trahir. Et si ça arrive, vous pouvez perdre toutes vos données. À la place, vous voulez éclater cette confiance dans plusieurs entités. Vous pouvez donner ces bouts de papier à plusieurs personnes. Et le partage de clés secrètes de Shamir permet de résoudre ça. Comment faire ça de façon simple et assez directe? La première chose, la première idée, bien, nous avons une clé de, mettons, 30 caractères. On prend les premiers 10 caractères, les 10 suivants et les 10 derniers. Nous donnons les premiers 10 caractères à une personne, etc., les 10 suivants à une autre personne. Mais dans des problèmes de portefeuille Bitcoin, si vous avez les deux premiers, c'est assez facile de faire une attaque brute force pour avoir les 10 derniers caractères. Donc, ce n'est pas vraiment sûr. Théoriquement plus sûr, ce serait, par exemple, une sorte de une mauvaise construction qu'on n'utilise qu'une seule fois. Une clé qu'on n'utilise qu'une seule fois. Donc vous générez une clé qui est utilisée pour décrypter un secret. Et donc, on peut faire deux shares, A et B, qui sont random. Et ces A et B random, on les utilise pour générer une autre partie C. En utilisant des combinaisons XOR de M, A et B, et M c'est le secret. Et ensuite, pour reconstruire ce secret, on fait la combinaison XOR de A, B, C, et puis on voit que ça marche, parce que C est égal à A, M, B, et donc c'est A et B s'annulent avec la formule, et donc on récupère M. Mais là, on a juste résolu le seul point de défaillance dans le problème de confidentialité. Mais nous savons que si nous faisons cela, le secret va rester sûr. Mais ça ne résout pas le problème de perdre une de ces parties. Donc, un backup de ce secret, si on perd ce secret, c'est un problème qui n'est pas résolu par cela. Donc, on voulait une solution meilleure que ça. On veut une solution meilleure que ça. Et on a quelque chose de mieux que ça, qui a existé depuis 40 ans déjà. Donc, le partage de secrets de Shamir a été publié il y a à peu près 40 ans et il s'appuie sur le schéma seuil. C'est-à-dire que nous pouvons partager un certain nombre de parties d'un secret et les paramètres de notre schéma définissent combien de parties doivent être partagées pour restaurer le secret original. Donc, on n'a pas besoin de toutes les parties pour reconstituer le secret. On peut distribuer 5 parties et on a besoin que de 3 pour restaurer le secret originel. Et si on perd une ou deux parties, ce n'est pas grave. Et aussi, ce schéma
Et sûr, c'est prouvé, c'est-à-dire qu'il a été prouvé. C'est un terme que je n'aime pas, ça ne veut pas dire grand-chose. J'aime le terme théoriquement sûr au niveau de l'information qui est mieux, c'est-à-dire que si vous n'avez pas suffisamment de parties dans ce cas, donc vous ne serez pas capable de restaurer le secret. Et ce n'est pas comme l'encryption où on ne connaît pas la clé et on peut faire brute force. Mais en fait, la partie qui manque est si large que c'est impossible de faire ça. Et dans ce cas, même avec des millions et des millions d'années de computation, on ne peut toujours pas être capable de reconstruire la clé, le secret, à base de ce qu'on a, à base des parties qu'on a, s'il en manque une. Donc cela implique que c'est résistant contre les ordinateurs quantum, parce que ça ne nous donne pas un avantage dans ce cas. Donc nous avons un exemple. Vous avez le message secret, la clé privée M, et je veux la distribuer, ce M, à mes amis. En cela qu'ils aient juste une partie et ne peuvent faire rien, mais moi je peux faire ma clé avec les parties si jamais je le perds. Donc je donne 5 de ces parties en les créant, en les computant. Et puis chacun de mes amis a une partie. Moi je perds ma clé à un moment du... Et je demande à mes amis, s'il vous plaît, donnez-moi votre partie de clé. Mais même s'il y en a un d'eux a oublié ou a perdu et ne me donne pas ma partie de clé, ou parce qu'il est méchant peut-être, eh bien, on peut toujours restaurer la clé privée. Parce qu'au début, j'avais dit que le seuil était de 4. Donc dans ce cas... 4 parties sont suffisantes pour restaurer ma clé. J'utilise ces 4 parties, je recrée ma clé et je récupère ma clé M. Donc, évidemment, c'est assez facile à comprendre quand vous voyez cela. Maintenant, faisons l'aspect mathématique. C'est assez rigolo. C'est une notation qui est un peu difficile à comprendre, mais je vais vous expliquer. Donc, si vous avez un seuil, nous avons un seuil où nous voulons n parties, et le seuil pour les recombiner est de k. Donc, nous avons un polynôme aléatoire de degré k-1. Donc, a coefficient de x k-1 et m étant donc sans coefficient étant la clé. Donc, cela simplifie le fait d'utiliser juste des nombres. Donc, nous avons ce polynôme P et nous générons des points de ce polynôme. Donc, pour x égale 1, x égale 2, x égale 3, etc., jusqu'à n. Et puis, nous distribuons ces points et ce sont les parties que nous distribuons pour qu'à la fin, nous pouvons réutiliser ces points pour reconstruire le secret. Et dans notre cas, lorsque nous avons ce polynôme, lorsque nous avons tous les coefficients de ce polynôme, nous avons le coefficient le plus bas. Et donc, le coefficient le plus bas, c'est m. Donc, nous prenons ces points et on peut faire un système d'équations. Donc, en algèbre linéaire, c'est comme ça. Et ce système d'équations, on peut le résoudre en trouvant les valeurs de x et y. Et si nous avons suffisamment de points, eh ben, on peut trouver le polynôme original et on peut faire comme cela. Et en pratique, on utilise l'interpolation de Lagrange pour résoudre. Regardez sur Wikipédia ce que c'est, mais c'est facile à expliquer, donc je vais l'expliquer vite fait. Donc, c'est un petit peu dur à comprendre peut-être, mais j'ai des images. Tout d'abord, on prend 42, c'est notre message secret, évidemment. Ensuite, on génère un polynôme aléatoire. Donc le premier coefficient sera 4 et le second sera moins 25. Donc vous avez cette belle parabole. Et on peut mettre des points sur cette parabole, de sorte que, dans notre cas, 4 points. Et nous avons vu ici le coefficient 3, dont le seuil est coefficient 3, donc le seuil est 3. Nous voyons que si on a seulement deux points,
pour reconstituer ce secret, eh ben on peut juste faire une droite. Avec deux points, on peut faire seulement une droite. Et puis, vous avez des points aléatoires sur le coefficient le plus faible. Et ça ne nous donne pas notre secret. Mais si vous avez un troisième point, là, vous pouvez faire une parabole. Et donc, vous pouvez faire x égale 0 et vous pouvez récupérer votre secret. Donc, en résolvant ce système d'équations, c'est comme remplir, c'est comme donner des valeurs x et y, et puis vous résolvez ceci sur un bout de papier en 5 minutes, et vous récupérez votre message qui est 42. Donc, c'est bon. Donc, nous savons que ceci est sûr de façon théorique. Rien ne peut foirer, n'est-ce pas? Mais ne nous réjouissons pas si vite. C'est sûr pour la confidentialité, c'est-à-dire que si votre secret est secret, il va rester secret. Mais par contre, personne n'a dit que vous ne pouviez pas changer ce secret. Donc, ce que nous voulons faire pour hacker ceci, nous avons une partie et nous allons la transformer. Nous allons faire une autre partie qui ressemble à la partie originale, mais qui en fait résout à un autre secret. Donc voici un polynôme de degré 2, de degré 1. Donc c'est juste une droite. Hein. Prenez deux points. Et si je génère un autre point, et donc je génère une nouvelle droite par ces deux points en donnant une mauvaise partie, eh bien nous avons un nouveau point qui n'est pas le point original, et donc nous avons une autre information par rapport au secret original, et donc une autre information qui me donne un faux secret. Donc comment résoudre ceci? Eh bien, il y a deux choses à résoudre. Pour résoudre ceci, j'y reviendrai plus tard. La première chose, je savais que l'autre point était x égale 2, donc cela me donne une information sur comment puis-je faire ce processus pour avoir une nouvelle valeur. La deuxième chose, je savais une information sur le secret original. Donc, évidemment, le secret est censé être secret, mais ce n'est pas forcément le cas à chaque fois. Donc, je savais quelque chose sur le secret original. Donc, une solution serait de randomiser le secret. Mais tu ne peux plus rien partager, c'est fini après, tu ne retrouves plus rien. On y reviendra. Ça, c'est la partie 2, l'implémentation. Le speaker boit une gorgée d'eau. Donc, c'était mon introduction. Maintenant, l'implémentation. Et c'est là que la plupart des cryptographeurs arrêtent de parler, parce que nous avons ce beau schéma, ça fonctionne, on sait comment l'utiliser, et maintenant c'est bon, c'est fait. L'implémentation c'est magique, l'implémentation c'est facile, et comme ingénieur crypto, j'aimerais bien insister sur le point que c'est pas toujours la chose la plus facile de ce processus. Donc, l'histoire c'est que Bitmark, une compagnie de Taïwan, a demandé une librairie pour le secret de Shamir, n'importe quelle librairie. On a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on veut que ce soit sûr et on veut que ce soit utilisé sur chaque plateforme, Android, iOS, peut-être des microcontrôleurs quelque part dans un moment de l'avenir. Donc, on a réfléchi. Quelles librairies existent? Donc, il y a SSSS et GFShare, c'est les plus connus. Et nous avons regardé le code et nous avons besoin de code qui soit vraiment très très sûr et également sûr contre les attaques de canal latéral. Et le problème c'est que c'était pas très portable sur des plateformes ou ça avait des problèmes de cache, des problèmes de timing ou des défauts à ce niveau-là. Et dans notre cas, ce n'était pas acceptable dans nos demandes du client. Donc ces librairies ne sont pas mauvaises, c'est des bonnes librairies, mais pour nos spécifications, ce n'était pas suffisant. Donc, on a implémenté nous-mêmes.
Et donc, il y avait quatre challenges pour l'implémentation. And these are not the only four qui sont les suivants, bien qu'il y en ait eu plus. Mais ceux-là étaient les challenges les plus importants et les plus intéressants pour expliquer l'implémentation cryptographique. So, donc, la première chose, ce problème d'intégrité que nous avons vu tout à l'heure dans le dernier slide, dans l'introduction, comment encoder nos valeurs, car nous avons utilisé juste des valeurs et pas des bytes ou des integers où il faut choisir quelque chose, comment prévenir les attaques de canal latéral et comment rendre ceci rapide, parce que j'aime bien le code qui va vite et j'aime bien les challenges et j'aime bien les choses difficiles. Donc la première chose, le problème d'intégrité. Nous pouvions soit randomiser les values X ou randomiser le secret. Les values X ne sont pas très faciles à randomiser parce qu'il fallait des valeurs très très grosses et dans notre cas, ça ralentit l'implémentation, ça ralentit la computation. Et donc la sécurité baisse avec le nombre de parties que l'on donne. Donc à la place de cela, on a dit on va randomiser ce qui va à l'intérieur de l'algorithme. Donc, nous avons utilisé des termes qui s'appellent le chiffrement hybride. Donc, au lieu d'utiliser notre message et de le mettre directement dans l'algorithme de Shamir, nous avons à la place généré une clé aléatoire et que nous pouvons ensuite mettre dans l'algorithme de Shamir. Et nous avons utilisé ce schéma pour chiffrer notre message secret. Et donc de cette façon, nous n'avons pas la nécessité de prendre un texte et de le mettre dans un algorithme, ce qu'on utilise pour des chiffres normalement. La chose la plus importante, nous pouvons utiliser un algorithme qui est utilisé pour randomiser les chiffres. Donc, c'est comme ça que ça marche. On chiffre le secret avec une clé randomisée et quand on veut le décrypter, on prend le parti de la clé, on récupère la clé en recombinant la clé originale et on utilise cette clé pour décrypter le message original, le chiffre original. Et de cette façon, on récupère le secret. Donc, le challenge numéro 2, comment encoder nos valeurs? C'est peut-être un peu dur à compliquer. Pourquoi c'est un problème? Les gens qui ne connaissent pas bien, les champs finis et ce genre de trucs. Mais en fait, le point essentiel, c'est ça. On a ces nombres et quand on travaille avec des ordinateurs, on ne peut pas juste prendre n'importe quel chiffre parce qu'on est limité, on est restreint. On peut utiliser des integers, ou des floats ou des bytes, etc. Donc, dans notre cas, on veut prendre une structure mathématique dans laquelle nous pouvons computer des nombres. Et on veut prendre l'original, donc la clé, et on veut la mapper, dans cette structure. Et la chose la plus simple qu'on fait en cryptographie, c'est on prend un très très grand nombre premier et on prend ce nombre premier et on fait le modulo en fait. Et ça marche très très bien pour des endroits où on a besoin d'un ordre premier ou d'un nombre large. Donc, on va mettre en rapport avec une structure qui a 256 éléments. Donc, lorsque nous avons une structure qui est en rapport avec 256 éléments, donc nous pouvons mettre en rapport une byte avec un de ces numéros. Et pour le mathématicien, le truc, c'est ce que nous utilisons. On utilise un nombre fini déterminé par le polynôme de Reinald et cela nous autorise à faire une optimisation très, très, très efficace. Donc,
Pour résumer, lorsque nous avons chaque octet séparément dans notre secret, on peut juste implémenter un algorithme pour un octet et ensuite on fait un loop. Et pour chacun des octets, eh bien, on va faire un partage secret et cela nous permet de paralléliser sur les octets. Et ensuite, je vous montrerai comment on fait ça. Mais première chose, règles pour l'implémentation cryptographique. Donc, les attaques de canal latéral sont des attaques qui ne sont pas sur l'output. Donc, je mets quelque chose dans l'algorithme et je vois quel genre de sortie, quel genre de valeur de sortie, et je sais si l'algorithme a fait quelque chose ou pas. Une attaque latérale, c'est une attaque sur une propriété de l'algorithme, une propriété que nous pouvons mesurer. Par exemple, le timing. On peut mesurer combien de temps un algorithme prend. Et si on sait qu'une clé contient un 1 à une certaine position, eh bien, et cela va prendre plus de temps à computer. Donc, on peut mesurer le temps de computation de l'algorithme. Et si ça prend longtemps, eh bien, on saura, ah, il y a un 1. Et si ça prend un temps plus court, on saura, ah, ce n'est pas un 1, c'est un 0. Donc, on peut faire ça de façon itérative et de faire ça de nombreuses fois. Et on peut prendre un outil statistique et mettre beaucoup de statistiques là-dedans. Et quelquefois, c'est assez facile de craquer le code. Donc, la première règle, il ne faut jamais faire de branches dans un algorithme. Faire des branches dans un algorithme, vous savez, si vous avez une décision qui vous dit vous allez là ou là. Donc, les statements if, else, c'est décidé. Les if et les or et les and logiques, c'est défendu. C'est défendu de faire des embranchements dans cet algorithme. Donc la deuxième chose, un peu similaire au premier, qui utilise un petit truc particulier, c'est une attaque sur le cache timing. Donc, si on prend quelque chose de la mémoire, le timing est différent si ce morceau d'information, si ce morceau de mémoire est déjà dans le cache de la CPU ou si ça doit être cherché du disque dur. Et donc, ça peut durer longtemps. Et on a peut-être vraiment la possibilité de donner des informations par rapport à cela aux attaquants. Donc ça, la troisième chose est qu'il faut savoir, n'utilisons pas d'instructions qui sont variables dans le temps de la CPU. Donc sur les processeurs Intel, par exemple, la division, l'instruction de multiplication, ce sont des instructions en temps variable. Donc si vous regardez les manuels de certains vieilles CPU, vous voyez aussi que d'autres instructions, par exemple la multiplication, peut être en temps variable. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et cela m'apporte à mon dernier point, m'amène à mon dernier point. Comment faire cela dans un langage high level comme C, et comment est-ce qu'on fait ça rapidement? Et donc, on va faire ça par le bit slicing. Le bit slicing, c'est une technique fantastique. Donc, on a tous ces octets et on les partage séparément. Donc, ce qu'on peut faire, on peut paralléliser cela. On peut paralléliser le processus sur chaque octet. Et rappelez-vous, une CPU est faite d'instructions logiques, n'est-ce pas? Donc, on est capable de multiplier et d'additionner en utilisant des instructions logiques. Donc, ce que nous faisons, nous prenons ces octets et on prend le premier bit de chaque octet et on le met dans le registre. Et on prend le second bit de chaque octet et l'on met dans un autre registre. Et pour chaque bit dans ces octets, on va les mettre dans un registre séparé et à la fin, on aura 8 registres différents que nous avons utilisés. Donc, on va implémenter cet algorithme au lieu d'utiliser des opérateurs normaux comme la division, la multiplication, etc. On va utiliser seulement des opérateurs logiques de bits, donc des shifts, etc. Bitwise, bit, and, or,
et tous ceux qui utilisent les bits pour la calculation. Donc ça, c'est un adder pour 2 bits. Et en fait, c'est juste un tout petit morceau de la CPU. Donc ça, c'est un exemple comment on peut faire ça. Donc cette chose, nous allons le faire dans ces circuits-là. Et quand on a fini, dans notre cas sur une plateforme 32 bits, on pouvait faire donc, on peut faire ça par exemple sur des vieux processeurs ARM. Donc on a un processus beaucoup plus large, beaucoup plus grand, et avec une parallélisation, un facteur de parallélisation de 32. Donc c'était une plateforme 32 bits. Si on utilisait une plateforme 64 bits, on peut avoir une parallélisation 64, de facteur 64, et sur un AVX, et même ça marche sur des CPU qui ne sont pas détectés, donc ça marcherait. Donc, voyons l'ensemble. À la fin, nous avons ce schéma, comment nous avons implémenté cet algorithme. Donc, on prend ce numéro random, cette chose random, c'est un autre challenge à propos, n'est-ce pas? Je n'en ai pas parlé. Donc, on génère une clé aléatoire, on chiffre ce message secret avec cette clé, et puis... on prend cette clé et on la tranche en bits de façon à calculer nos partages secrets en parallèle. Et puis quand on a fini, on doit défaire l'opération de tranche de bits et on a nos morceaux à partager. Donc, dans l'autre sens, c'est exactement l'inverse. On prend nos portions, on fait des tranches de bits sur nos valeurs, on exécute la recombination avec un algorithme d'interpolation de Lagrange. Bien sûr, nous devons redéfaire le tranchage en bits à la fin. Et nous utilisons cette clé pour décrypter et vérifier le chiffre original, le texte chiffre original. Donc, la performance est très bonne pour finir. Ce sont des benchmarks pas géniaux parce que je n'ai pas fait... J'ai fait cette présentation. Voilà, j'ai fait un benchmark vite fait. C'est pas le mieux. Mais une boucle C prend 10 microsecondes. Je n'ai aucune idée pourquoi... Le Rust Bindings est mieux que les autres. Si quelqu'un peut me le dire, je vous en prie, dites-le-moi. Mais à la fin, à peu près 100 000 calls par seconde. Et c'est vraiment de la bonne performance. On n'a pas vraiment besoin d'avoir une performance meilleure que ça. Mais si on a besoin, eh bien, la moitié du temps, j'ai remarqué, le chiffrement d'algorithme et pas le partage de secrets. Donc on peut encore optimiser cela et faire une implémentation d'encryption encore meilleure. Donc nous avons utilisé TweetSalt. TweetSalt est très sûr, très bon, une implémentation très bonne qui est portable, mais ce n'est pas optimisé pour la performance. Donc, finalement, qu'est-ce qui aurait pu foirer? La première chose, c'est de... C'est quelque chose que nous, les crypto-spécialistes, nous voyons ça sur Stack Overflow. Des gens pensent que l'encryption d'un secret, le chiffrement d'un secret, va le rendre sûr à un niveau de l'intégrité. Parce que s'il est encrypté, les gens ne peuvent pas le changer. Donc, ils ne peuvent pas avoir une autre valeur à la fin. Mais dans le cas de la cryptographie, ce n'est pas le cas, les gens. L'intégrité est seulement bonne si vous avez une authentication du message, ou bien dans notre cas, vous utilisez un schéma de chiffrement authentifié. La deuxième chose qui aurait pu foirer, c'est les attaques de timing. Et les attaques de timing, c'est des choses qui existent dans beaucoup d'implémentations, ou qui peuvent être faites dans beaucoup d'implémentations. Donc cela me donne l'impression que les ingénieurs de crypto de ce monde n'ont pas vraiment conscience de cela. Et qu'il y a très peu d'ingénieurs spécialistes en crypto. Sinon, il y aurait des attaques de timing tout le temps.
ou bien on n'aurait pas des leaks de timing dans la décryption, ce qui a été publié récemment dans May the Force be with you, dans le papier May the Force be with you. Donc, c'est un problème. Et le dernier problème, dans ce cas, c'était Armory, un système de Bitcoin très sûr. Et Armory avait donné, il ne générait pas des polynômes complètement aléatoires. Et ça, ça avait pour conséquence des vulnérabilités assez mauvaises, puisque ces clés n'étaient pas réellement aléatoires. Une très mauvaise implémentation. Donc, on est en terrain assez dangereux quand on implémente des choses comme ça. Ok, je vais partir sur une tangente. Ça, ce dont je vais parler, c'est quelque chose auquel la plupart des programmeurs ne pensent pas. Ils ne pensent pas que leur code, c'est quelque chose qui va être utilisé par tout le monde pour faire ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est important de se poser la question. On a créé ce logiciel. Comment est-ce que ce logiciel doit être utilisé? Comment est-ce que ce logiciel peut être utilisé par des personnes avec de mauvaises intentions, des gens qui ne veulent pas respecter les règles? Alors, moi je vous dis ça parce que je pense que la plupart des développeurs vont devoir se poser cette question un peu plus souvent. Dans notre cas, on distribue des secrets à un bon nombre de personnes. Et on distribue des secrets à des gens en qui on a confiance. Donc, je ne pense pas vraiment qu'un utilisateur malicieux puisse utiliser notre système à des fins néfastes dans beaucoup de cas. Parce que la plupart des cas où c'est dangereux, c'est quand il y a beaucoup de contrôle qui est centralisé. Et cet outil permet justement l'inverse, de décentraliser ce contrôle. Mais la deuxième chose, c'est que nous sommes responsables, quand nous écrivons des logiciels, quand nous écrivons des librairies de crypto, quand nous écrivons du code qui va tester des voitures Volkswagen, nous sommes responsables de ce qui arrive avec ce code, de ce que ce code fait. Donc, pour revenir à mon propos, je vais vous montrer une petite démo qui va très probablement mal se passer. Alors, j'ai installé ici mon outil de partage de clés. Et bon, alors attendez, est-ce que je peux agrandir? Non. Ah, voilà, c'est mieux. Ok. Donc, how does this work? Comment est-ce que ça marche? Ok. Let's make us. On peut faire. Make us five secrets. 5 secrets. The restoration thresholds. Avec un seuil de restauration de 4. What's my secret? Et qu'est-ce que c'est mon secret? Voyons voir. Disons. Yeah, I don't know. Ah, je sais pas. YOLO. Piranha, acide et acétone. L'acide de piranha et l'acétone peuvent exploser. Alors, on a des secrets ici. And I'll copy paste this into my. Donc là, ça, je vais le copier-coller dans mon script de restauration en partant du troisième. Je vais pas prendre le premier, et je vais prendre du deuxième jusqu'au cinquième. Et comme ça, vous pourrez voir ce qui se passe quand il en manque un. Yes, demo gods. Ouais, ça a marché. Merci Dieu de la démo. Donc, pendant l'intro de cette présentation, je vous ai dit, n'implémentez pas votre propre crypto. Et j'espère que
Je vous ai montré des raisons, que je vous ai donné une vue d'ensemble de pourquoi est-ce que implémenter sa propre crypto, c'est difficile. Et je vais vous laisser avec ce message. Implémentez votre propre crypto, essayez de l'implémenter, essayez de comprendre comment ça marche. Mais si vous vous retrouvez à être vraiment sûr, si vous n'êtes pas vraiment sûr, vous n'êtes pas 100% sûr de ce que fait votre implémentation et que votre implémentation est sûre contre tous les types d'attaques, si votre implémentation n'est peut-être pas résistante aux attaques de canal latéral ou si vous avez cet unique bit de retenue dans ce registre, dans votre processeur, alors, dans ce cas-là, mettez un énorme message d'avertissement en haut de votre README et dites « Hey, c'est du code académique, j'ai fait ça pour m'apprendre à moi-même comment est-ce que l'implémentation ça marche, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas fait vérifier ça par des cryptographes professionnels. N'utilisez pas ça pour quoi que ce soit qui a besoin de réelle sûreté, de réelle sécurité. » Donc, c'est tout. Voilà quelques personnes que je veux remercier. Et si vous voulez voir mes slides, vous pouvez les trouver sur mon site web. J'ai un peu plus de lecture pour vous si vous voulez lire plus. Je n'ai pas enregistré mon numéro d'ECT, donc ce numéro ne marche pas. Et voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Dan Sprenkels, thank you very much. Thank you. Any questions? Please feel free to assemble behind the microphones and I will put you through then. Question de l'audience, question sur internet, vous pouvez les poser au Signal Angel en anglais ou en allemand. Alors, comment est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas fait d'erreur dans votre implémentation? Vous avez des tests unitaires? Eh bien, c'est la chose terrible dans l'implémentation cryptographique. J'ai des unit tests, mais les unit tests, c'est pas toujours la solution à tous les problèmes, parce que l'espace pris par vos clés est plus large que ce que vous avez besoin pour tester quoi que ce soit, et dans le cas de ma courbe, la seule chose que je peux essayer de faire, c'est de prouver chaque fonction unitairement. Et c'est assez facile de faire des erreurs, mais honnêtement, je ne suis pas sûr à 100% que mon implémentation n'a pas d'erreur, n'a aucune erreur. Je l'ai vérifié, d'autres personnes l'ont vérifié pour moi. Et je suis assez sûr, mais toujours, je ne suis pas sûr à 100%. Et je pense que c'est le cas avec tous les codes qui ont à faire avec la sécurité dans notre domaine. Premièrement, merci pour cette présentation très intéressante. Une question technique. J'ai vu dans votre démo que les parts chiffrées sont plus significativement plus grosses que le texte original. Ma question est donc à quel point est-ce que le volume de données en sortie est plus important que le volume en entrée? Est-ce que ça dépend du nombre de parts? Est-ce que ça dépend du nombre de parts requises pour la reconstitution? Revoyons cette présentation. Ce que nous faisons, nous avons cette clé d'encryption et nous avons ce point, cette value X. Donc, nous devons ajouter une seule valeur pour X, donc un octet, parce qu'on travaille en octet, et donc c'est le 1, le 2, le 3, et cela sera le premier octet de notre part. Donc cela ajoute un octet. Puis on prend cette clé. Cette clé doit être générée aléatoirement, et cette clé, dans notre cas, nous utilisons Salsa 20 pour algorithme d'encryption, donc 256 bits, c'est 32 octets, et donc cela ajoute 32 octets supplémentaires. Donc à la fin, nous avons seulement 33 octets qui sont ajoutés à notre part. Mais, cependant, le nombre de parts que nous générons et le seuil va toujours générer le même nombre d'octets dans la part. Et en regardant la part de secret, on ne peut pas deviner le seuil.
Does this answer your question? C'était votre question? And we have a question from our IRC chat. Question de l'internet. First of all, Gailus alors, Gailus sur Twitter dit merci, merci pour ce que vous avez fait. Et la question est, comment est-ce qu'on peut se défendre contre les attaques de social engineering si quelqu'un essaye de convaincre les gens de donner les parts? C'est une bonne question. C'est quelque chose que je n'ai pas encore résolu pour moi-même, parce que je n'ai pas l'environnement de chaque personne. Donc, ce que je recommande, c'est générer 5 parts, et avec un threshold de 5 pour avoir vraiment la sécurité, mais vous devez choisir vous-même avec qui, à qui faites-vous confiance, à qui pouvez-vous confier vos portions de secrets. C'est une question que je ne peux pas répondre pour vous. Une question sur le problème de l'intégrité. Comment exactement est-ce que votre encryption hybride, votre chiffrement hybride, résout ce problème? Et est-ce que oui, c'est une bonne question. Donc voici, nous pouvons abîmer le secret parce que le secret original était une valeur que nous connaissions. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça rend aléatoire la valeur qui vient de n'importe quel secret abîmé. Donc, si on change une portion, si on change même un bit, donc la valeur qui va sortir de l'algorithme sera complètement random. Parce que la chose originale était complètement random. Donc, ce que fait notre algorithme, c'est dans le salsa 20, polynôme 3 ou 5 dans la partie de décryption de salsa 20, donc ça va utiliser le bit d'authentication et ça va dire que ça n'a pas passé le test d'authentication et ça va dire que c'est invalide et donc ça va dire non, ça ne marche pas. Mic 1, please. Hello. Bonjour. En écho à, ça va être similaire à une question d'avant, mais admettons que voilà, je veux protéger mon portefeuille Bitcoin qui est très important et je veux pas vraiment faire confiance à qui que ce soit. Est-ce que ce serait une option? Je voudrais éviter que 3 membres de ma famille se mettent d'accord pour récupérer mon portefeuille. Est-ce que c'est une option de doubler le nombre de parts et de donner que 50% des parts? Oui, mais ça crée d'autres problèmes parce que ça peut être un risque que des gens perdent le share, que perdent leur portion. Donc, en fait, c'est un trade-off. Il faut peser le pour et le contre. Je vais vous dire une anecdote. C'est-à-dire, une anecdote, si vous avez votre portefeuille Bitcoin et vous voulez que vos héritiers puissent hériter après votre mort, donc vous choisissez de distribuer vos portions, vous partagez les portions de secret entre vos descendants. Donc, comme ça, ils peuvent reconstruire le secret après votre mort subite, par exemple. C'est aussi une application de cela. Mais dans votre cas, eh bien, si vous avez un système où vous avez vous-même la plupart des portions, eh bien, dans ce cas, vous avez toujours l'effet que si vous perdez ces portions, eh bien, vous perdez également le secret. Ce qui, dans votre cas, c'est peut-être ce que vous voulez. IRC, please. Dodig is asking if you're separating the message into si on sépare le message en octets individuels et qu'ensuite on applique SSS sur chacun de ces octets, est-ce qu'on n'a pas un problème si les similaires qui est que les patterns dans les données ne sont pas masqués? Eh oui. Eh bien, c'est aussi pourquoi nous avons utilisé ce schéma d'encryption, de chiffrement. Ce schéma hybride fonctionne sur la totalité du message. Et l'algorithme de Shamir fonctionne sur un octet. Il n'y a rien de mieux, car nous générons la clé secrète complètement, de façon complètement aléatoire.
Alors, je viens d'un champ de recherche un peu similaire, où on a des problèmes qui ressemblent à ça. Moi, je travaille sur les codes de correction d'erreurs. Et dans mes recherches, il y a beaucoup de types de correction d'erreurs. Par exemple, du code de vérification de parité à faible densité. Et je peux voir des similarités. On pourrait détourner un peu ça pour une implémentation similaire. Du coup, je me demandais si vous avez considéré d'autres modèles de codage. Oui, effectivement, j'ai considéré. Et la raison pour laquelle nous avons utilisé cela, ce n'est pas pour des considérations de sécurité, mais parce que le polynôme salsa 20, l'implémentation de salsa 20 de polynôme 3 et 4 était déjà là. Donc si je faisais ça de façon plus sophistiquée, ce n'est pas le seul algorithme à seuil de chiffrement. Donc il y en a d'autres. Nous avons également Peterson, c'est un partage de secrets qui résout le problème d'intégrité, mais qui est plus complexe. Donc, c'est probablement ce que j'aurais utilisé. Number two, please. Hi. Bonjour. Excellente présentation. Pour reparler de l'implémentation, est-ce que vous pourriez parler un peu plus de la relation entre les optimisations, que ça soit introduite par celle introduite par le compilateur ou celles qui sont introduites par les développeurs, et donc entre les optimisations et les vulnérabilités. Et ma question un peu sous-jacente, c'est est-ce que vous détestez les optimisations des compilateurs? Ah, eh bien, oui. Les compilateurs parfois font des choix qui sont bonnes dans le code normal, mais si je fais quelque chose en C, eh ben je veux que ce soit comme ça. Donc je veux pas d'optimisation. Donc non, je ne hais pas les compilateurs C. Je choisis de programmer en C et les choses vraiment vraiment bas niveau, je les fais en assembleur. Donc oui. Ils n'ont pas l'obligation de nous prendre en considération comme ingénieurs crypto. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est peut-être pas mal d'avoir une option où vous pouvez choisir au compilateur. Oui, je veux vraiment, vraiment cette chose. Je veux l'optimisation. Mais s'il vous plaît, ne pensez pas que parce que cette chose n'est pas lue en mémoire après cette ligne que vous devez le réinitialiser à zéro, parce que je veux que cette valeur de clé soit zéro à la fin. Donc oui, bien, il y a des trucs avec les compilers qu'on peut faire, qu'on peut utiliser. C'est comme ça qu'on fait quand on a vraiment besoin de dire au compiler, oui, on veut vraiment faire comme ça, n'optimise pas. La plupart du temps, Peter et moi, on regarde le code assembly et on dit, OK, ils l'ont fait. Et donc, c'est bon. Si c'est vraiment, vraiment critique, eh ben, on l'implémente en assembleur et c'est bon. Qu'est-ce que vous recommanderiez? Vous avez dit à la fin, vous avez dit aux gens d'aller implémenter leur propre crypto, mais on n'a pas assez d'ingénieurs en crypto pour analyser, vérifier si c'est la bonne crypto. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire pour les gens qui implémentent leur propre crypto, à quoi faire attention, que vérifier? Eh bien, oui, bonne question. Tu peux toujours regarder le code en assembleur et voir ce que ça donne. Les deux premières choses que je vous ai montrées, ne faites pas de branchement dans l'algorithme. Et ne faites pas de lookup, parce que les compilers ne vont pas faire d'erreur. Si vous ne mettez pas de statement if, ils ne vont pas utiliser de branchement. Et la plupart du temps, ils ne vont pas changer une instruction, comme par exemple une instruction de bits, ils ne vont pas le changer en multiplication non plus. Donc si vous avez ce genre d'instructions simples, des instructions qui sont en fait qui ne sont pas si complexes. Une autre chose, donc ça c'est important de faire comme ça, une autre chose, c'est peut-être pas une bonne chose que je le dise, mais il y a beaucoup d'implémentations pas bonnes sur le marché. Et si votre implémentation est meilleure que ce qui existe, ben c'est déjà bien. Microphone number 4, please. Hi. So, bonjour. You said we don't alors, have the threshold vous disiez, on a, si on n'a pas
Si on est dans un monde réel et qu'on distribue les parties à des gens dans la famille, mais qu'on n'a pas le bon nombre de parties pour reconstruire, on n'a pas atteint le seuil, est-ce que ça essaie de construire un polynôme du mauvais degré? Donc, il va reconstruire effectivement un polynôme du faux degré et il va essayer d'utiliser le coefficient le plus bas pour essayer de décrypter notre secret et ça ne va pas marcher. Donc, si nous avons trop de portions, donc la résolution de l'équation va marcher. Donc, plus de portions ne va pas être une mauvaise chose. Il y a juste un problème qui est si tu as des portions doubles, donc ça ne va pas marcher avec la première erreur. Et c'est une chose que je n'ai pas encore résolue de façon satisfaisante. Okay, number three. Hi, thank you for the talk. Bonjour, merci pour cette présentation. À quel point êtes-vous prêt de pouvoir utiliser le code que vous avez fait en production? Je veux dire par là, est-ce que votre code, le code et les outils autour, à quel point est-ce que c'est sûr et prêt à être utilisé? Ça, c'est une question dangereuse, parce que si je dis c'est vraiment sûr, les gens vont l'utiliser. Si je dis c'est pas sûr, ben, c'est ma faute. Non. Les choses que j'ai fait, c'est je l'ai fait et je l'ai vérifié et j'ai bien vérifié. Et donc, d'autres ingénieurs en crypto l'ont vérifié et mes méthodes ont été vérifiées par d'autres ingénieurs crypto et le code C, je suis sûr qu'il n'y aura aucun problème parce que la façon dont on fait ça en faisant des tranches de bits, en utilisant juste des opérations de bits, c'est assez facile de faire ça de façon correcte. And go ahead. Thank you. Ma question, vous parliez d'optimisation et je me disais plutôt que d'utiliser un nombre premier très, très grand pour générer le champ fini, est-ce que ça ne serait pas mieux d'utiliser un nombre premier qui est juste un petit peu plus gros que le secret? Oui, mais modulo reductions are les déductions sont difficiles dans un temps constant, dans une implémentation de temps constant. Donc, si on fait une réduction en modulo dans le chiffrement de courbes, on fait une soustraction conditionnelle, et cette soustraction conditionnelle sera faite seulement, uniquement, quand des numéros plus grands qu'un nombre premier ou s'il y a un overflow lors d'une soustraction, un bit de overflow, et cela peut être fait facilement dans un logiciel parce qu'on peut faire ça en temps constant, mais ça devient plus difficile quand notre chiffre premier, nombre premier, n'est pas choisi au moment où on fait le logiciel, mais quand ce nombre premier n'est pas régulier. Donc, il y a ce nombre premier, 2 puissance 256 moins 19, qui est un nombre premier très très populaire pour implémenter la crypto, parce que c'est facile de le réduire, car chaque nombre plus grand que cela, on peut le faire un carry jusqu'au premier suivant et faire un overflow. Et là, on n'a pas un nombre régulier, ce problème devient difficile et on doit utiliser une autre librairie qui n'est peut-être pas résistante aux attaques de canal latéral. Alors, si j'ai bien compris, la sécurité du système global dépend de l'intégrité et de la sécurité des machines sur lesquelles on exécute les calculs. Est-ce que c'est possible de distribuer les calculs effectués dans cet algorithme? Le secret de Shamir, oui, il y a des seuils, oui, effectivement, où on peut faire de façon séparée sur des ordinateurs séparés. Mais nous avons dit dans notre implémentation que l'ordinateur sur lequel on fait les calculs est sûr, parce qu'il a aussi le secret. Parce que si on fait confiance à l'ordinateur pour avoir les secrets, on peut aussi lui faire confiance pour le chiffrement.
Pas d'autres questions? Eh bien, tonnerre d'applaudissements pour Dan Sprenkels. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était la traduction en français de Partageons nos secrets de Dan Sprenkels.